Je ne peux pas faire ça pour le moment. Je reviendrai. Je suis en train de tourner en rond là. Je devrais. Merci Xenova pour le follow. Je suis en train de tourner en rond, mes chers amis. On s'en fout. Collection, défi, quête. À part aller à Priolard. Ah, il faut que je récupère. Ok. Ok, j'ai compris. Je reviendrai plus tard. C'est la carte que je veux. Merci. Hop. L'aile d'astronomie. Je crois que c'est dans l'aile d'astronomie. De toute façon, la salle de défense contre la force du mal. Tour de défense contre les forces du mal. Salle de sortilège, là du professeur Fig, pour de défense des forces du mal. La semaine pro, quand ils vont voir Isu stream et pas toi, enfin c'est sorti. Aïe, tu sais. Bah non, c'est pas ma chaîne, c'est vrai qu'il y en a qui arrivent là, mais. Moi je stream. Je stream World Legacy, mais effectivement, c'est la chaîne de Isu. Mais non, mais ils vont pas se sentir trahis. Tout de suite les grands mots. Tout de suite les grands mots. Personne n'est trahi. Hein. Si ça se trouve, je vais stream plus souvent. Hein, il doit y avoir une page volante dans les parages. Vu qu'on va être au même endroit. Rébellion. Ouais, je t'avais vu, canaille. J'y canaille, il y a une page. Par contre, il y a un masque-coffre là, monsieur. Si seulement il y avait une nouvelle tête pour m'aider à me sortir de ce pétrin. Rébellion. Une nouvelle tête pour me. Hop là. Besoin d'aide. Ok, bah, je pense que c'est bon là. Je pense qu'on va pouvoir aller faire réparo. J'ai pas débloqué la flamme. Alors, je tiens à vous dire que je n'ai cliqué sur absolument rien. J'ai juste voulu tourner la map. Et j'aurais dû utiliser QED. Parce que très clairement, là, je suis allée là où je ne voulais pas spécialement aller. Hop. Allez, go. Comment ça, élève la tête? Je baisse trop la tête à ton goût? Oui, je retourne dans la cour. J'y arrive. Fallait-il deux pincées d'Angélique ou trois? Non, au moins j'aurais débloqué ça. Qu'est-ce qu'elle fait, la SDF là-bas? Rébellion. Elle est où la cour? Quelque chose là-dedans, je suis certaine. Je suis perdue. Oh la serre.
Excusez-moi, du coup, je fais le tour. Oh, mais c'est magnifique! C'est de toute beauté. On voit que ça joue au FPS, pourquoi? Pourquoi tu me dis de lever la thèse, que je subis une opération? Alors oui, je vais subir une opération. Mais je pense que c'est un complet hasard que tu dises ça. Elle est trop belle la serre, hein, par contre. Je peux pas encore parler. Beauté d'herbe. C'est beau, hein, par contre. C'est très très beau. Je pense qu'ils se sont gavés. Hein. Je me souviens des vieux vieux jeux. Pff, ça n'avait rien à voir. Parce que moi, je suis une petite vieille maintenant. C'est beaucoup trop beau. Tout est question d'attitude quand on est aurore. Ouais, tu peux devenir aurore boréale, toi, mais c'est tout, hein. Allez, c'est tout pour moi niveau humour. Je suis à mon maximum là. Non, toujours pas. Et pourquoi on voit que ça joue au FPS? Ah, bah c'est sûr que j'ai pas l'habitude d'avoir à sortir une carte, me repérer dans l'espace. Pourquoi j'arrive pas à... Ok. Maintenant, si j'appuie sur V, il me montre le chemin. Ah oui, il faut que je reste appuyé. Il me montre pas le chemin. Ah si, là. Je l'avais pas vu, c'est tout. Ah. Mais tout à l'heure, je me suis présentée devant cette porte et elle s'est pas ouverte. Les pages à attraper, c'est du rapide. Professeur, pourquoi dois-je effectuer ces tâches? Oui, volontiers. Posez vos questions. Bonne chance et à très bientôt. Ok, c'est cool, quoi. C'est bien le bon endroit. Je me demande où se trouve la page volante. Il m'en manque encore une. Allez. Oh, putain de fucking merde. Et voilà. Ok. Tu l'avais mis mon... Oh putain de merde. Je vais lui parler maintenant, il va avoir un discours un peu plus cohérent ou... J'imagine que ses premières tâches n'ont pas... J'ai terminé toujours tous pas. Mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris. On aurait dit un robot, quoi. Souvenez-vous, votre baguette canalise votre magie. Très bien, c'est parti. Hop là. Heureusement qu'il faut pas faire les QT à chaque fois. Ah, une petite lampe, tu sais que je suis déjà allée aux toilettes là, le match. Vous voulez pas faire un vote, je réveille Zou, il va me chercher de la bière. Ah, le sortilège réparo. Le sortilège de réparation sert à réparer des objets et des endroits cassés de votre environnement. C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée. Oh, un chat. Elle est censée symboliser un cœur. Oh, purée de patate douce. Peut-être qu'un amoureux éconduit l'a trouvé.
trouvé trop réaliste et s'est emporté. Ouais. Enfin, c'était pas de la bière au beurre que je voulais, mais c'est pas grave, hein. On fera avec, hein. Ah oui. Ah oui. Réveillon. Ok. C'est bon, je peux aller jouer à Prolar maintenant, s'il vous plaît. C'est pas qu'on se fait chier. Ah, pourquoi il y a un coffre là sur la carte? Pourquoi je peux pas résoudre l'énigme là? Bon, je vais aller voir le serpentouse qui va me faire faire des bêtises. Oh. Ça ne peut pas être aussi difficile que ça en a l'air. Bonjour, je crois qu'on ne se connaît pas. Ah, bonjour. Je m'appelle Lenora. Lenora Everlane. Si un peu distraite. Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard, et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. Il y a d'autres tableaux comme ça ici. Est-ce qu'il existe d'autres tableaux vides dans le reste de l'école? Oui, quelques-uns. Si tu veux mon avis, cet endroit est une énigme en lui-même. Si j'arrive à élucider cette énigme, je saurai quoi faire avec les autres. Ça me paraît être une bonne idée de commencer par là. Qu'est-ce que tu as appris? Tu as appris du nouveau sur le tableau depuis que tu as commencé à l'étudier? J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance Lumos. Mais j'ignore quoi faire ensuite. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Oh, ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que tu auras plus de chance que moi. Et surtout, viens me le dire Lumos. Si tu trouves une idée lumineuse. Cet endroit doit être un indice. Je devrais regarder s'il ne se trouve pas aux alentours. Les escaliers... Ok. Je tiens à vous dire que je suis quand même pressée d'aller à Préolard. Et d'un autre côté, ça m'intrigue. Ok, la poutre elle est ronde, donc ça doit être une de ces poutres-là. Ça doit être sûrement l'escalier à ma gauche. Est-ce qu'il y a des statues là-bas? Ah, c'est cet endroit-là. On dirait l'endroit représenté sur le tableau. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Coucou Alex, ça va? Ça se fait longtemps. Ah, salut le serpentard, if you know what I mean. Je peux pas le prendre le papillon parce que c'est le même que sur le miroir donc... Ah bah action, suis-je bête? Ouais, en visant correctement j'imagine. Non du coup... Rébellion. Oui, alors, qu'est-ce qu'il y a, Serre d'Aigle? Tu l'as fait, Alex, le jeu? Il a changé, il a pris du polynectar, hashtag. Tu vas aller à Prolar, t'auras la bière au beurre. Toujours mode impulsif, méthode 2. Allez, Katanex. Ouais, puis en plus, elle m'intrigue, celle-là. Ah oui, il faut refaire Lumos. Bah forcément, vu que c'est un truc qui marche à la lumière. Je vais te guider jusqu'à ton cadre, petit papillon. Merci, Nico. Je vais faire le jeu avec toi, hein, parce que franchement... Je le savais. Je devrais dire à Lenora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre. Mais où est passée Lenora? Ah, ben, cadre, il n'y a plus. Oui, le prof
Elle est là-haut. Oui, je l'ai fini. Ah, excuse-moi, moi je le lance à peine aujourd'hui, hein. J'étais occupée à déménager encore. Laura, j'ai résolu le mystère de ce tableau. Vraiment ? C'est éclaté, Serdel Bordel. Qu'est-ce qu'il a le... Qu'est-ce qu'il a le... Voilà, hein. Le serpentard libellule. J'ai trouvé l'endroit représenté sur le tableau. Et j'ai lancé Lumos pour guider un papillon de nuit jusqu'au cadre. J'imagine que c'est logique. Dommage, j'étais si proche d'y arriver. Tu es douée avec les énigmes. Nati aussi est plutôt douée. Et Amit, même s'il a tendance à trop expliquer. Je suis contente que quelqu'un ait réussi. Non, t'es pas trop dingue. Bon allez, je vais voir l'autre qui va nous faire faire des conneries. Enfin, si je le retrouve. Bon, ça va, je sors la carte. Hop. On passe par la cheminée. Allez, une petite lampée. Je vais encore finir aux toilettes, hein, le matin. Qui c'est que pousse souffle? Moi? Non, c'est Izu. C'est mon but. J'ai presque plus d'eau, hein, le mage. Je sais ce que tu vas dire, alors tais-toi. Je parle pas tout le temps d'elle. Ta-ta-ta-ta. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais mon taxi. Ah, ma nouvelle mission. Il paraît que tu as besoin de fournitures. Et je dois aller les chercher avec toi après Olar. C'est la première fois que tu vas au village? Oui. Je n'ai pas quitté le château depuis mon arrivée. Eh bien, je tâcherai d'être le meilleur guide qui soit, alors. Préolar est un joli village avec plein de boutiques. On devrait pouvoir y trouver tout ce qu'il te faut. On y va? Non, j'ai changé d'avis, on n'y va pas. C'est parti, on reste ici, j'ai pas envie, il fait froid, toi. Serpentin, il n'y a que des enfoirés dedans. Ouais, bien sûr, hashtag. Ah oui, bienvenue le mage. Bien vu. Qu'est-ce que tu veux comme coiffure? Je fais quoi? Je me fais des tresses, des couettes, une couette sur le teco, un palmier. Bien sûr, tu es la seule personne à m'avoir battu dans un duel. Je ferais bien de garder un œil sur toi. Il va rien avoir à l'extérieur du château, non? Moi, je veux bien en abuser, mais quand même. C'est un discours de pouf souf, ça. On coule direct là-bas, comme c'est étrange. On dirait qu'elle t'apprécie. Personne de base, je suis grand répondeur, mais j'ai trouvé le pseudo Serpentard stylé à l'époque. Ça me surprend qu'un professeur me confie quoi que ce soit, étant donné toutes les retenues sur mon dossier. Tu passes beaucoup de temps en retenue, hein? Juste assez pour rester en forme. J'ai dit au chapeau pas Serpentin. Cette vie après Olar m'a peut-être permis d'en éviter une. Et t'as eu honte de changer de tag. Madame Scribe, la bibliothécaire, me cherchait partout, comme à son habitude. Et j'ai trahi ma nature d'enfoiré. Oh, t'inquiète pas, on la connaît bien ta nature d'enfoiré. Moi. Scribe que j'étais attendu quelque part. Comment tu as fait pour te mettre la bibliothécaire à dos? Eh bien. Nos manières de penser sont différentes. Elle pense que je ne devrais pas avoir le droit d'entrer dans la réserve. Eh bien, pour ma part, je pense le contraire. Oh, un instant. Cet endroit est parfait pour trouver des chrysomes. De jolis insectes. Mais en les faisant mijoter un peu, c'est aussi un excellent ingrédient pour les poissons. Oh, ça me dégoûte. On vient de ramasser des insectes pour les faire mijoter. Les pauvres. Oh, vous êtes encore mis en veille, c'est l'enfer. Quoi qui fait ce bruit? C'est des insectes qui font ce bruit? Ok, bah c'est bon, on a. J'espère que je vais rien louper du chat, parce qu'à chaque fois ça me remet bienvenue sur le chat. Par la barbe de Merlin, la forêt interdite, regarde! Qu'est-ce qu'il y a?
vois par toi-même. Oh, c'est incroyable, des hippogriffes. On ne voit pas ça tous les jours, c'est sûr. Ah, là, de bafou. Je vais vous donner le mot de passe, bisous. Voilà, j'en suis à tout à fait de Nico. J'espère que je n'ai rien loupé du chat, sinon je m'en excuse gracieusement. J'ai loupé les hippogriffes. Absolument. C'est une zone interdite à tous les élèves. D'où le nom? Exactement. Ils pensent que c'est trop dangereux. Si tu veux mon avis, il devrait avoir confiance en nos techniques défensives. Ah. Oh putain de forêt. Oh là là. Oh là là, je suis obligée de lui lécher le cul à lui, hein. C'est bon. Rendez-moi ma liberté, s'il vous plaît. On va essayer de devenir un speedrunner. Un slowrunner. C'est l'occasion d'explorer un peu le château. Un peu. Il est vraiment gigantesque. Tu l'as dit. Ça fait 5 ans que je suis ici et je n'ai pas encore tout vu. Je ramasse tout ce que je vois, on verra bien. On aura peut-être une utilité plus tard. Ah oui, il y en a. Ah, les sombrales. Un jour, peut-être. Si je me mets là, il s'arrête ou il me traverse? Ok, ils me disent clairement, vas-y, dégage du chemin. Tu m'as toujours pas expliqué comment tu avais fait pour t'améliorer autant en duel. Ils parlent beaucoup quand même. Ils sont jamais essoufflés en plus, hein. Monde ouvert, ils ont dit, hein. Ouais, monde ouvert. Bon, c'est vrai, c'est un monde ouvert, mais quand t'es en mission, tu dois suivre ta mission, quoi. Sors pas des clous. J'ai toujours pensé que les sombrales qui tirent les diligences étaient sinistres. Mais j'imagine que la plupart des gens ne les voient pas du tout. Mais toi, tu les vois. Malheureusement, oui. Toi aussi, tu as vu pas mal de choses sinistres dans ta vie. Notamment cette attaque de dragon. Espérons le que lac. Le reste de ton année soit mais plaisir. Je vais aller au lac, mais je suis à peu près sûr que je vais me faire engueuler. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ah, je peux juste le casser? Pierre de lune, ok. C'est bon, vas-y, je te suis. Hein. Tu sais, tu peux avancer, hein, je te retrouverai. Hein, parce que franchement, t'avances doucement, quoi. Les champignons pour je... C'est le concierge de Poudlard. Chapeau, il a dit hashtag les. T'as même pas voulu à sa porte, tu veux aller où? Ah, on peut compléter par n'importe quel mot. Je vous conseille de faire demi-tour, monsieur Palot. De faire demi-tour et. De courir. Tout va bien, monsieur? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, monsieur Moon? Une demi-guise. Immonde et poilue. Une demi-guise? Je serai au château, à l'abri. Bonne chance à vous deux. Une demi-guise? Je ne sais pas ce qu'il met dans son jus de citrouille, mais quoi que ce soit, il en a abusé. Je n'ai jamais vu Monsieur Moon dans cet état. Monsieur Moon est un sacré personnage. Je ne suis pas consulté par n'importe quel mot. Ma sœur Anne le trouve gentil, mais comme concierge, je pense qu'il pourrait le faire. Après là, il va avoir du mal à me bannir du stream, là, tout de suite, hein. C'est pas moi qui utilise mon pseudo en plus, c'est Izu. Mais elle sera bientôt guérie et de retour à Poudlard. J'ai pas vu sa mère, c'est qui? Un professeur? Oh, je suis sur Run. Ah d'accord, j'ai le droit de courir, genre on allait pas. On allait trop vite à leur goût là. Mettre la magie de cet endroit en bouteille. Je ne sais pas si c'est grâce ou Poudlard est vraiment unique. Ils se précipitent tous comme des papillons vers la lumière. J'aime bien les bandes son. C'est plutôt cool. Ah, y a eu comme stuff dans ton inventaire. Pose trop de questions, Nico. Je sais même pas où est mon inventaire. Je rigole. Si, bah écoute, j'ai ce que j'ai ramassé en pignon. Mais c'est tout, hein. J'ai une potion, je crois que j'ai vu une potion dans les trucs de plantes.
Non, c'est les chrysopes. Non, non, j'ai que ce que je viens de ramasser sur Polar. Non, je vois pas d'équipement. Ah, dans l'équipement. Si, dans les équipements, j'ai vu que j'avais des lunettes tout à l'heure. J'ai vu que j'avais eu des trucs, mais... Franchement, est-ce qu'on est là pour faire styliste de mode? Je suis pas sûre. J'ai essayé de cliquer sur retour. Arrêtez de me juger. C'est fatigant. Arrêtez de me juger. Accessoires de visage. Bah non, je veux pas mettre de lunettes. Pour les chefs, non plus. Non plus. Voilà, tu voulais voir ça? T'as des stats dessus. Ouais, mais je m'en fous des stats. Je pensif plus 2. T'es en train de me dire que clairement, faut que je mette ce truc moche là. T'es clairement en train de me dire qu'il faut que je mette ce truc moche. Parce que là, c'est offensif. 0, on est quand même à 2. Tu m'en veux pas, hein. Je vais rester convenable. Parce que sinon je vais vite ressembler à plus rien en vrai. Et j'ai pas envie. Alors je comprends, hein. Attention, je comprends. Hein. Pas de propriété magique. Ah, comment je fais pour enlever cette merde? Enlevez-moi ça! D'accord. Oh là 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 là, le mage. C'est pas cool, hein. Et je donne de ma personne, là. Oh, j'ai hâte. Alors, que tout soit ouvert, là. Tu t'en veux tous ces cadenas. Weasley m'a dit que tu avais une liste de choses à obtenir. Wesley. Des baguettes, par exemple. Oui, des graines de dictame, quelques créasors et des recettes de potions. Parfait. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec une nouvelle baguette. Et ta liste est courte. Tu auras du temps pour te promener dans le village. Je dois juste passer prendre quelque chose pour ma sœur. On se retrouve dans le centre-ville quand tu auras fini. N'oublie pas de t'amuser. Nous sommes à Préolar. Le village de Préolar regorge de différents lieux, boutiques et autres points d'intérêt, entre lesquels vous pouvez naviguer en utilisant la carte de votre guide de sorcier. Ouvrez la carte. Tu peux voler les maisons aussi. Ok. Donc, faut que j'aille d'abord visiter Tomber par chemin. Allez, Tomber par chemin. Je sais pas comment il fait, mais ça fait mal au crâne, son putain de casque. Attendez, mais oui. Allez, go. Ok, c'est pas cette porte, c'est la mort à gueuler. Voici un esprit curieux. Parlez à Tuna. Excusez-moi, je suis là pour les créasseurs commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Matilda. Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire de Matilda Tour de Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation? J'ai bien peur que non, monsieur. Ah, mais cela ne saurait tarder, j'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe, mais c'est là que mes créasseurs entrent en jeu. Appliquez-vous, et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, monsieur Brown. J'attends ce jour avec impatience. George et moi Brown. De même, vous savez, les créasseurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley c'est les Sims, quoi. Plus. Voyons déjà quel créasseur pourrait vous être utile. Une table de rempotage et une de potions. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut quand on veut. Voyons voir cela. Regardons un peu ce que nous avons. Ok, donc c'est la table de craft, on est d'accord.
ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock. Oui, mais enfin, c'est un peu cher, monsieur. Monsieur, c'est cher. Bon, bah, je reviens, je vais faire un truc pareil. Visiter Ollivander. Where is Ollivander? Attendez. Ouais, voilà. Parce que sinon, Nico, il va m'engueuler. Je vais faire un réveilio d'abord. Parce que sinon, clairement, Nico va me gronder. Oh, il y a une page qui vole là-bas, je t'ai vu. Oh! Ah! C'est beau ça! Sympa ça! Quoi cette espèce de petite plume là? Elle brille. Mais écoutez, je suis fort heureuse que ce jeu soit enfin sorti. Et comme tu dis, Nico, s'ils font un coop là, ça va être génial. Hein. C'est toi que j'étais venue chercher. Ta ta ta. Ah oui, il faut le sort d'invisibilité, tu m'as dit. Un quai avec un bidon. Il y a de l'eau, donc j'imagine que ça va être le long de l'eau. Ça m'a l'air peut-être ça. Faire le tour. Non, c'est pas ça. Oh bah c'est une petite boulette, hein, un truc à manger, je mange. Oui, il y a un truc à boire, je bois aussi. Ok. Faites pas genre, vous me connaissez. Non mais elle saute au-dessus d'un mur pour en faire le tour ensuite. Je t'ai demandé de me juger. Je crois pas, non. Par contre, j'arrive pas à trouver l'endroit là du miroir, ça me saoule. Je pensais que ça allait être ici. Je trouve que ça ressemble vachement quand même. C'est le quai en bas en fait, c'est ça? Ah, j'ai un trop gros cul, je passe pas, je passe pas, j'ai un trop gros cul, je passe pas. Ah, pas possible d'enjamber ça. Ah, il y a une faille. Bon bah je vais refaire le tour pour aller voir si c'est le quai en bas. Oh. Je suis tout cassé là-haut. Ce sera pas perdu. Non, elle dit pas que ça ressemble à l'endroit machin. Un petit coup de ça quand même. Non. RS. Ah là. C'est bien que ça ressemble à ça. Allez viens. Ta 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 ta. Que soit toi. Ah là, j'étais à... C'est la boisson, tu vas finir bourré. Non, mais ça va, je vais pas finir. Je fais déjà ça dans...
D'ainsi, je vais pas venir bourrer sur tous les jeux, hein. Et pas que tu... Non, rien. J'ai rien dit. Je n'ai strictement rien dit. Bon. Non, mais j'ai un trop gros cul tout le temps. C'est dingue, ça, d'avoir un gros cul comme ça. Pourquoi j'arrive pas à passer le mur? Ah bah quand même. Ah, encore un truc à grailler. Je suis la pire joueuse. Ah, un truc à avoir. Tu as débloqué plein de gants. Ouais, c'est pour... enfin, je te dirai pas, mais voilà, quoi. Pour protéger mon doigté. Bon, je vais ressortir la carte, je vais arrêter mes conneries. Ce rouge. Ah, je vais chez Rivender. Ok, let's go. Je me demande si je suis pas trop dans les aigus et le micro me détecte plus. Ah, d'ailleurs, en parlant de manifestation, sachez que si, entre guillemets, on a lancé un petit peu tard par rapport à ce qui était prévu, c'est aussi parce qu'il y avait la CGT qui bloquait la route. Voilà. Bon, après, ils manifestent et c'est tout à leur honneur, hein, y a pas de problème là-dessus. Mais voilà. Du coup, vu que j'habite dans une sous-préfecture, c'était un peu compliqué. J'arrive dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Ah. Bonjour, monsieur. Je cherche... Une nouvelle baguette, oui. Ce n'est pas trop tôt. Oui, je... Ce n'est pas trop tôt. Vous êtes notre nouvel élève de cinquième année. Mais qu'est-ce que je raconte, c'est évident. Gerbold Ollivander, enchanté. Mais nul doute que vous avez déjà entendu parler des Ollivanders. Les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer. Vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale. Voulez-vous? Non, pas toi. Non. Vous savez où elle va finir, ce soir, celle-là. Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm. Ça peut marcher. Tu stream jusqu'à 2h. Mais je finis mon déménagement, moi, demain, sur Rouze. Allez-y, agitez-la. Il a plus de 200 piges. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la. Agitez-la. Allez, on va vite. 26,6 cm. Oula. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver pas d'inquiétude. Non, pas toi. Non, je stream pas jusqu'à 2h, Sorus. Je stream jusqu'à que je sois trop fatiguée pour continuer. Ou sinon, on peut faire un stream zombie, mais je suis pas sûre que ça vous convienne non plus. 35 cm, cœur. 35 cm, ça fait beaucoup là, monsieur. Essayons celle-ci pour voir. Ah ouais, quand même. Oui, on est d'accord. La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginé. Comme c'est curieux. Où es-tu? Hein? Peut-être que... Ah! Elle était perchée. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y. Baguette d'occasion, j'avais jamais entendu parler de ça. Type de bois, tiel argenté, type de cœur, plume de phénix, flexibilité fragile. Longueur de la baguette 32,5, ça commence encore à faire beaucoup, monsieur. Hein. De toute façon, j'ai pas trop le choix, on est d'accord? Ah, si, j'ai le choix. Intéressant. Presque dommage de pouvoir choisir sa baguette. J'aime bien celle-là.
Intéressant. Baisser un peu la longueur, hein. Étrange, très étrange. Allez hop, on va aller. Non, 28, c'est déjà beaucoup, je trouve. C'est quoi la longueur max? 36, 75. Ah ben beaucoup, hein. Non, on va se mettre médio-médio. Je sais pas si ça impacte réellement le jeu derrière. Option de cœur. Cœur de licorne, cœur de dragon, plume de phénix. Connu pour produire une puissante magie. Une magie homogène. Une magie très diverse. Une baguette de cheval. Ça pour la licorne. Bah, je crois que je vais partir sur la licorne parce que quand j'avais fait les tests là sur sur le site d'Harry Potter là, bah il m'avait mis un patronus cheval. Voilà, allez, il faut que je reste appuyée. Il faut bien rester avancée. Ah. Baguette marque le début d'un avis. Bon, après là, comme je n'ai pas pu me connecter avec mon compte, on verra bien ce qu'ils me mettront. Enfin, ils ne mettront rien du tout, mais on verra bien ce qui me sera attribué. Bien. Différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai plus rien à boire. J'ai hâte d'essayer. Et comment? Traitez-la bien, et vous ne trouverez pas de baguette plus fiable qu'une baguette avec un cœur en crin de licorne. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surprise de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, monsieur Ollivander. Alors, je vous C'est un IM bot. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Un serpentard, cochon et sauvage, sur tous les bords, lui, là. Bon, bah, je refais un petit R ici, parce que sinon je me fais engueuler. Ok, je vois rien de suspicieux. De suspect. Hop, je ressors la map. Je suis mignonne, mais j'ai pas regardé où est-ce que je devais aller. Potion et navet magique. Allez, go. Potion ici, j'imagine. Et navet magique. J'ai pas regardé le symbole, alors on va aller là-bas. Je regarde juste que ce soit pas à côté. Bon, ça va être le blé, j'imagine. Ouais. En même temps, vu qu'il me fallait des graines, ça se tient. Je lève la tête. Ah d'accord, c'est pour ça que j'avais pas vu de chouette depuis tout à l'heure. Nico, tu me dis lève la tête tout à l'heure pour les pages et tout ça. Mais d'un autre côté, je m'étonnais de pas avoir vu de chouette. Mais en même temps, oui. Dans le ciel, les chouettes, c'est quand même mieux. Oh! On stand-by. Il y a un matou. Les TP, c'est que... I don't understand. Chez Potion Pépin. Réveilio. Tu arrives chez les gens, tu fais un réveilio, tout va bien. Et tu fouilles leur coffre. Tout va bien. Veuillez m'excuser. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens à Bréolard. Vraiment? Eh bien,
Parry Pipin à votre service. Parry Pipin. Potion Pipin. Potion Pipin. Pardon, je crois que je suis en train de craquer de fatigue. Sur la devanture, mes grands-pères insistaient toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu par hibou. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions? Il rivalise avec celui des baguettes. Le bâtique, celui-là. Les potions sont-elles vraiment aussi polyvalentes? Elles sont moins tape à l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre bizarre sa façon de parler. Sachez que je ne vends pas que des recettes. C'est un peu ça. Bonjour, madame, attendez, je pique votre coffre et après je vous parle. Dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser. Bon, techniquement, si tu dis ça, tu as déjà parlé, mais. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes. Dites-le, vous allez me chercher de la Red Bull. Que puis-je pour vous aujourd'hui? Spammez-le sur Discord, je sais pas. Il va me détester. Que puis-je pour vous aujourd'hui? Bah écoute. C'est gratuit, je prends, hein. N'hésitez pas à jeter un œil à mon stock. Non, c'est pareil. Je peux pas aller faire le trottoir. Je peux lui vendre des choses. Ça, c'est bon, j'avoue. Ah non, c'est acheté. C'est chier. Ah, je peux lui vendre des choses. En vrai, le purée, je vais jamais le mettre. Les lunettes, je vais jamais les mettre. Ah, défense plus 7 quand même. Je vais pas tout vendre. Je vais attendre de voir si c'est pas une nécessité plus tard dans le jeu. Non mais je vais essayer de tenir jusqu'à minuit, hein, t'inquiète pas, hein, genre je vais essayer. Pendant que vous seront durs, y'a un crawler toi. T'es vraiment un crawler toi. Je viens de détrousser quelqu'un là, c'était forcément quelqu'un ça. Oh, les tourneurs de panneaux à l'américaine, mais version magie. Il est où le feu de feu? Ah. T'en vas pas toi. Oh, d'accord, donc on taille des topitaires, tout va bien. Il me semble que c'est par là-bas. Regardez, mais je pense que c'est juste en haut. Oui, c'est ça, c'est juste en haut. Bonjour, bonjour. Ah, mes bottes. Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictame pour l'élève de cinquième année. Alors, c'est vous? Par la barbe de Merlin, commencer à Poudlard en cinquième année, ça doit être éprouvant. Pas du tout. J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo! Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flegme. Je m'appelle Timothy Teasdale, au fait, et voici ma boutique, le navet magique. C'est pas que j'aime pas regarder les stats des tenues, c'est juste que j'ai pas envie de ressembler à n'importe quoi pour des stats, tu vois. Moi, je suis une fille, alors on va les distinguer. Je vais être distinguée, hein. Je suis en jogging et la veste de suite, dis tout. Je les cultive moi-même. Mais c'est moi qui piffe. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictame. Oui, c'est ça, donnez-moi et ferme-toi. Laissez-moi deviner, vous cherchez quelque chose d'inédit. Bah non, tu sais, t'as pas besoin de deviner, je te dis ce que je viens chercher. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Bon, bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ferai bien de retrouver Sébastien. Non, pour l'instant, j'ai envie d'explorer. Je retrouverai Sébastien plus tard. Si encore des petites quêtes de miroir, moi j'aime bien les quêtes de miroir. Voilà, faut être invisible, c'est trop nul. Est-ce qu'il y a des dégâts de chute? Nico, réponds-moi vite, est-ce qu'il y a des dégâts de chute? Sinon j'essaye.
J'avais déjà dans la forêt interdite, moi aussi. Ah, il y a un coffre là-haut. Ah non, vous êtes encore en veille. Sérieux, c'est trop souvent. Facilement. Vous pouvez faire attention que vous ne vous mettiez pas en veille. Arrêtez de vous mettre en veille aussi. Oh non, à la fin, ça va être un coffre-veille, ouais. Arrêtez de se mettre en veille, les gens. Ça m'épuise, moi. Pas que ça à faire. Hein. Je vous ai perdu. Voilà, et toi se dire ça. Enfin, Clive, hein. Avec une coupe de cheveux spéciale bientôt. Et du coup, tu m'as pas dit si tu voulais plutôt des tresses, plutôt des couettes. Mais encore un truc à explorer là-bas. Oh, coucou toi! Tu peux pas interagir? Ah ah! Lumos. Je savais bien qu'il y aurait un autre. Voilà, c'est précis là comme endroit. Ça fait pas beaucoup d'indices. Hein. Uniforme solaire. Je vais essayer de voir si je trouve cette falaise, pas loin. Ah, là-bas. Lumos. Hop là. Un petit papillon. Je suis le mouton, ça te fait de l'amour. Je joue pas à Seven Days to Die ou je sais pas trop quoi. Compte de jeu là. Je suis pas les animaux en plus, je le sais. Notre maison de l'autre côté. On peut passer derrière la maison, donc je la vois. Bonjour monsieur, je peux fouiller votre coffre? Merci. Oh, puisque je suis là et que vous avez un tableau noir, je vais en profiter. Hein. Une petite cheminette. Vous avez vu que vous avez un tableau qui sert à rien là? Oh, bah putain, elle s'est gavée là. C'est moi, mais elle s'est gavée là, la dame. Lumos. Puis un coffre là-haut, mais c'est un coffre où il faut être invisible. Ok. Merci bien. Aucun instinct de jeu de survie, toi. Aucun instinct de survie, toujours. Ça te monte à fréquenter des gens infréquentables. Tu te demandes, quoi. Regarde, Izu, par exemple.
Oh, je suis trop loin ou quoi? Je vais être trop loin. Et oh, le but d'Axio, c'est d'avoir la flemme de se déplacer. Hein. Allez, je reprends des petites bêtes que je vais faire bouillir. Franchement, ça va niveau monde ouvert et tout, c'est plutôt cool là. Ouais, je vais retourner par là-bas. Je vais traîner encore un peu là, plus de 20 minutes là. Pour voir s'il y a d'autres trucs à faire, puis je vais aller voir Sébastien. Bon, j'imagine qu'il y a encore plein de choses à faire et qu'en 20 minutes, j'aurai pas fini de faire tout ce qu'il y a à faire là. Hop là. Je t'ai vu toi. Je t'ai dit de jamais aller là-bas. Madame Peck, je sais que votre époque qu'un client avait perdu un dirico par ici. Je sais bien que nous ne sommes pas censés aller là-bas. J'ai hâte que tout ça soit ouvert. Oh, un dodo. Bon, tant pis. Je crois que j'ai renversé. Réveille-moi. Action. Comment ça, ton temps est passé? Ça tout le temps passé. Je suis vieille mais pas encore à ce point là. Ok, j'ai vu qu'il y avait ok deux coffres et un miroir. Ah, je pensais que je pouvais lui parler. Ok, c'est juste pour perdre du temps, ça, on est d'accord. Ok, c'est la montée, donc c'était dans la montée là. Pas dans la montée là. J'ai persuadé que c'était par là. Ah, là-bas. Ok, go. Hop. Non, on est à 15 sur 15, non? Ok, nickel. Ta-da-da-da-da. Je reviendrai plus tard, toi. L'autre doit être dans la baraque. Ah oui, sinon c'est pas drôle des autres. Pas rentrer par les fenêtres, hein. Ah, ta maman lâche la gosse. Non, faut pas rentrer par les fenêtres. Maintenant j'essaie de rentrer par effraction. Tout va bien. J'aurais vraiment dû finir à Serpentard, moi. Moi, je pense que j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour le moment à Serpentard. Hein. J'ai récupéré mes... À Serpentard. Après Olar, j'ai récupéré mes 15 notes. Je pense que le reste, c'est tout verrouillé. Ou alors, il faut que je sois invisible. Ah non. Oh là là. Patch 2. Fan de chichon, comme on dit par chez moi. La fois je suis invisible. Ah, il y a encore un miroir. Enfin, un miroir. Un tableau. Je prends le temps d'observation quand même. Un mur gris avec deux lanternes au bout.
Pas sûr que ça va être dans le coin. C'est quoi ça? Quand j'oublie que je cherche un papillon. J'ai pas fait exprès au cas où hein, de sauter ce mur parce que je sens que Nico va dire ah elle a sauté un mur après elle a fait le tour. Potion de Wigandel. Non mais des fois elle passe des obstacles sans que je lui demande hein. J'appuie absolument pas sur l'espace hein. Ah j'aurais bien vu le papillon par là. Écoutez, je dois me tromper, ça doit pas être ici. Ah là. Lumos. Ah non, c'est là, c'est une feuille, je suis bête. Oui, j'ai dit que j'étais bête. Problème ? Ah, j'ai pris un nom. Putain, on va me dire qu'est-ce qui se passe. Nice, mais il est où ce dernier papillon là ? J'ai l'impression qu'elle est trop loin du tableau là. Si c'est bien ça, hein. Je vois le grand arbre, l'arbre rose. Peut-être par là. Hein. C'est juste que je dois passer à côté, pas le voir. Quelqu'un l'a vu ? Lumos. A plus le mage. Désolé. Ah non, c'est Mia qui s'en va. A tout à l'heure, Mia. Tu leur donnais le goûter à Ouz. Ah, j'aimerais bien, mais tu sais, il m'a tellement aidé que je pense que je vais le laisser dormir le temps qu'il dort. Même si je t'avoue, j'aimerais bien l'envoyer me faire un petit café ou me chercher une Red Bull, me chercher à goûter. Il m'a usé pas. C'est possible que ce soit aussi loin. L'arbre rose, le grand arbre. Je doute que ce puisse être aussi loin, mais du tableau initial. Généralement, c'est aux alentours, ouais, on est d'accord. Hein. Mais là, sur le tableau, je vois bien les arbres roses, donc je vois pas... Murée, les arbres roses. Moi, je trouve pas le petit papillon. Papillon, papillon. C'est le seul endroit où je vois des murées, des arbres roses et. Il y a tout ce qu'il faut. Ah, il est là. Il est là. Lumos. Tu qu'un œil que tu es. Allez, viens. Pourquoi il vient pas? Non, mais il a bugué, lui. Oh purée, j'ai fait 8 km pour le ramener chez lui alors qu'il était à 200 mètres, là. Ce guide du Révélio est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Je ne peux pas croire que tu peux pas sauter ça. Elle a couru avec la caisse et un truc, mais elle peut pas sauter ça. J'ai vu qu'il y avait moyen d'avoir de la tunacité. Oh, merci. Les contes de Biddle le Barbe. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de Préolard. Ah, un chat. Oh, un chat. Oh, un autre petit
Ficha s'est réveillé. Il a entendu que j'avais faim, je pense. Bon, bah, allez, go, hein. On va rejoindre le serpent de 12. Oh, mais j'ai vu des lapins, j'ai pas été folle. Les gars, j'ai vu des lapins, hein. Hop. Attends, c'est peut-être des lapins qui se cachent dans les chemins. J'ai rêvé mes lapins. Bah écoutez, on va faire comme si cette scène n'était jamais arrivée. Et je vais aller rejoindre le serpent de 12, le cousin de Ashotag. Ashotag, t'es toujours là? Ah, j'ai compris que près des puits et des fontaines, il y avait toujours des pages, hein.